Et regardez comme elle est belle ma bâche. Est-ce qu'on se sent pas cosy à l'intérieur comme ça? Non, allez, plus sérieusement, on va s'attaquer maintenant à la villa de mes rêves, les gars. On est au 20e jour, retenez bien cette date. Nouveauté d'ailleurs, maintenant, ça y est, il y a les raccourcis clavier, on peut enfin changer nos outils, nos armes, etc. Avec des raccourcis clavier, et ça fait du bien, ça fait plaisir. D'ailleurs, le fusil à pompe, vous allez voir, il va m'être d'une grande utilité puisqu'on va le découvrir. Alors, on coupe beaucoup de bois et hop là, surprise, motherfucker. Voilà. Bah heureusement qu'elle est toujours là madame. Eh, je vous jure que madame elle est adorable. Moi je coupe du bois, elle me protège. Bref, que du bonheur. Sauf que en fait, il y a un moment donné où ça va plus. Et il faut que j'essaye le pompe contre ces grosses brutes. Et vous voyez, ça one shot directement. T'inquiète pas, je te réanime. D'ailleurs c'est confirmé hein, c'est vraiment la madame Puffton hein. Merci pour vos commentaires, vraiment c'est vraiment elle. Tu vas te calmer toi. Allez hop, ça dégage. Bon, je me fais envahir, c'est compliqué de travailler dans ces conditions hein, je vais pas vous mentir, bref. Mais je me laisse pas abattre, je continue d'abattre justement les arbres pour faire un maximum de papier toilette, pour faire un maximum de bois pardon, et justement faire cette magnifique maison, je l'espère, qui va être incroyable probablement. Bonne petite huître là avec du vin blanc. Oh là là. Bon, on continue. Voilà les petites techniques toi-même tu sais. Regardez, paf, ça fait plaisir. Le bois qui part, qui circule. Que du kiff. Voilà. Et ça dégage. Heureusement j'ai quand même pas mal de munitions de pompe. Mais ça fait trop plaisir de pomper. Moi j'adore pomper. Voilà, je suis un pompeur moi. Hop là. Allez, ça dégage. Toujours au sol, toujours dans le dos. C'est magnifique. Allez, foutez-moi la paix. Voilà, allez, aïe, la bûche dans la figure, j'ai rien compris. Bon, on fait le deuxième étage, enfin le premier étage. Enfin, ça dépend qu'est-ce que vous considérez comme rez-de-chaussée. En tout cas, voilà, on fait des petites décorations sur les côtés, c'est toujours sympa. Regardez les petites barrières là sur les côtés. Enfin, j'appelle ça des barrières, c'est pas des barrières. Bon, écoutez, est-ce que c'est bon pour vous? Bon, là, c'est pas des vrais escaliers, alors il faut qu'on recommence. Oui, parce que j'ai reculé un petit peu le tout, comme vous pouvez le constater. Hop, hop. Voilà, vous voyez ce que vous voyez en 2 minutes, j'ai fait ça en 1 heure, hein. C'est terrible. Bon, un petit peu plus d'1 heure quand même. Je commence à faire les fenêtres, je me dis est-ce que là c'est... Parce que c'est bien, c'est mignon, c'est cosy, non vas-y. Allez, j'agrandis un petit peu plus et je pense que c'est une bonne chose. Voilà, j'ai fait ça par tous les temps, hein. J'ai fait voilà, il pleut, il fait beau, etc. D'ailleurs vraiment la madame, ma copine elle est adorable, je vous raconterai tout à l'heure. Mais elle est adorable, vraiment, non seulement qu'elle m'a protégé évidemment avec son pistolet que je lui ai donné. Mais elle est vraiment adorable en tout point, on en parle tout à l'heure. On continue la déforestation d'ailleurs, vous voyez, il y a de moins en moins d'arbres, hein. C'est marrant quand même. Hein. Ah oui, non, mais là tout de suite, c'est plus la forêt, hein. C'est plus Sons of the Forest. Et regardez, Tarzan, paf, coup de pied dans la figure et je te poursuis derrière. Bon, elle est un peu déboussolée, elle sait plus où je suis, mais c'est pas grave. Allez hop, on la matraque par terre. C'est AS 2.0, c'est encore WAM. Allez, ça continue, donc je fais l'étage supérieur. Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, j'en ai chié. D'ailleurs, donc là, on voyait un combat mutant contre indigène. Donc les mutants peuvent être nos amis finalement. Ou les indigènes peuvent être nos amis finalement. Enfin c'est ce qu'on veut, c'est comme on veut. En fait dans tous les cas, c'est la mêlée générale. Voilà. Bon, c'est le mutant qui a gagné. Et puis moi, je défonce tout le monde. D'ailleurs vous m'aviez dit en commentaire, faut mettre les crânes et pas les... Enfin voilà, faut mettre les têtes sur les piquets pour leur faire peur. En tout cas moi, je crois qu'elle kiffe madame derrière. Ouais, je crois qu'elle kiffe. Bon, bref. Wouhouhouhou, j'en ai fait des allers-retours, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Regardez-moi cette belle déforestation, c'est quand même vachement joli. Là j'ai découvert un nouveau mutant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ça one shot, hein. Ça one shot, donc je prends le pompe, je réfléchis pas. 2 balles. 2 morts, parce que je considère que c'est plusieurs personnes en une. Bon, voilà. Je suis devenu bon à l'arc aussi, hein. Je suis devenu très très bon à l'arc. Alors lui, il est complètement débile. This girl is on fire. Voilà, je suis devenu très très bon à l'arc, je rappelle. Voilà, donc je récupère plein d'eau, hein. J'ai vraiment un stock de malade. Et là, on va commencer le toit, je sais pas comment on appelle ça les toits. Mais vous savez, le toit pointu là. Alors j'essaye un truc et en fait ça fonctionne. Ça fonctionne, j'essaye un truc et c'est plutôt pas mal. Vous m'en direz des nouvelles. Je viens de vous résumer en 4 minutes ce que j'ai fait en... Ah, je vais pas vous dire parce que putain j'ai l'impression d'être un gros chômeur. Bref, incroyable, que du kiff et c'est magnifique. Je suis tombé sous le charme de Virginie pour de vrai. Ouah. Eh bien salut toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode. Ah oui, n'oubliez pas le pouce bleu, très important. On se retrouve pour le 11e épisode de Sons of the Forest. Nous sommes au 24e jour. Sachant qu'on a commencé cette vidéo, vous l'avez vu tout à l'heure, au 20e jour. Donc il m'a fallu 4 jours pour construire ça. Il y a encore du boulot, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu plus chill, on va faire du jardinage. On va découvrir aussi parce que, attendez, je me suis renseigné moi, la matraque électrique, j'en avais un petit peu ma claque. Que ça ne fonctionne pas, et en fait c'est tout con, regardez, bâton paralysant. Alors, tu peux donner un coup, mais si t'appuies longtemps. Voilà. Me disais bien que ça fonctionnait quand même.
m'énerve. Ça aurait pu me sortir de beaucoup d'emmerdes. Et puis j'ai pas pu... bref, excusez-moi, je suis vulgaire. Alors voilà, j'ai mis des petites torches. Regardez comme c'est mignon, comme c'est joli, voilà. On rentre à l'intérieur de la maison. C'est tout beau, j'ai mis une petite lumière ici. On est enfermé, on est safe. On est safe, les indigènes peuvent rentrer par la porte hein, tout de même. Mais voilà, un petit escalier par là. Là je pense qu'ici il y aura du stockage. Voilà, je pense qu'il y aura du stockage. On va faire des fenêtres aussi, vous inquiétez pas. Et puis là le toit qui commence, un petit lit ici bien sûr. Hein. Et puis voilà. Alors ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on puisse pas mettre de bâche sur le bois là. C'est dommage qu'on puisse pas mettre de bâche ici. J'aurais trouvé ça vraiment chouette. Mais on ne peut pas, donc voilà, comme ça on le sait. Les amis, pourquoi... Alors du coup elle s'appelle bien Virginia, hein. Virginie. Et la madame, donc on va l'appeler Virginie maintenant. Et c'est bien Virginie Puffton. Alors on n'en sait toujours pas plus, pas de spoil hein, bien sûr. Si vous connaissez, si vous avez fini le jeu, merci de ne pas me spoiler. Mais c'est bel et bien Virginie. Donc une des trois disparues. Moi je comprends pas pourquoi elle parle pas, pourquoi elle nous explique rien. J'aimerais bien qu'elle nous explique. J'ai un stock d'os absolument ahurissant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Eh ben écoutez les amis, on va se faire une petite jardinière. On va se faire une petite jardinière. J'ai vu qu'on pouvait fabriquer ça directement ici. Jardinière sur pied. Et on va faire ça, regardez. Et bah, dans l'encadrement là, ça va être très bien. Ça me stresse que ce soit pas plat. Ah bah voilà, regardez, il suffisait de demander. Hop. Normalement, j'ai assez de bâtons. Magnifique. Et j'ai déjà de la terre. Et là, je vais pouvoir en fait semer. Parce que normalement, j'ai de la graine de bête saumon. Et je peux rien mettre de plus. D'accord, mais t'es complètement débile toi. Elle est adorable Virginie, vous savez pourquoi? À chaque fois elle venait me voir. Qu'est-ce que tu manges du sable toi? Ça va pas la tête? Ouais. Et vous savez quoi? Elle me donnait du lapin. Elle chassait du lapin et elle me donnait du lapin. Incroyable cette madame. Elle est parfaite. Et je vais vous dire un truc. Je suis amoureux. Alors je mange... Parce que c'est de la viande séchée. Pour ceux qui demandent pourquoi je mange ça, sachez que c'est bon. Je la mange séchée. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il me refaut des bâtons. Ouais, je suis amoureux les gars. C'est pas des blagues. Je suis tombé sous le charme de Virginie pour de vrai. Alors autant Calvin. Alors il est sourd le pauvre hein. Ça j'avais pas compris au début de l'aventure. Je suis désolé, vous m'avez bien expliqué en commentaire. Parce que j'étais un petit peu vénère contre lui et méchant. Mais c'est vrai que le pauvre il est sourd. Il a eu un traumatisme crânien machin et tout. Enfin bref, un délire. Mais il est quand même un petit peu abruti. Je vais pas vous dire tout ce qu'il m'a fait comme galère en off, mais il m'a fait des galères. Par contre, Virginie, mais elle est incroyable. Je suis amoureux. Je sais pas comment le jeu va se terminer, mais moi je veux la pécho. Le mec il a pas compris le but du jeu. Moi je veux la pécho. Vous allez la pécho. Moi c'est Jeanne. Pour ceux qui ont la ref, bref. Donc voilà, elle est absolument adorable. Bon, on va terminer ça, voir. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aimerais planter, c'est de l'aloe vera. Parce que je sais que j'ai de la graine d'aloe vera, je crois. Voilà. D'ailleurs, j'ai découvert un truc. Alors, on est là pour découvrir. C'est un épisode chill, hein, je vous l'ai dit. Donc là, j'ai pris de la graine de chicorée. Non, j'ai pris de la graine de bête saumon. Donc là, je vais mettre du chicorée. J'ai pas d'aloe. Ah, graine d'aloe, voilà. Donc là-dedans, on a de l'aloe vera. Là-dedans, on a de la chicorée. Non, de la bête somme, je sais pas quoi là. Mais du coup c'est sympa cette petite jardinière là, ça change un petit peu la donne. Jardinière murale, oh mais putain j'aurais pu faire ça depuis le début. Ah mais c'est parfait, regardez on va mettre ça C'est génial, on va mettre ça au milieu quand même. Comme ça. Voilà, on va en mettre une deuxième ici. Oh oui on va être très très bien. On va être très très bien là les amis. On va juste que je recherche du bâton. Qu'est-ce qu'il fait là, il passe à travers le mur, il est fou lui. J'ai un truc qui m'embête aussi par contre. C'est que ce crâne qui est dans la maison, c'est vraiment chouette. Mais je peux pas l'enlever. Et le problème c'est qu'il m'empêche de passer. Alors voilà, je peux contourner mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Attendez, on va sortir, vous inquiétez pas. On va faire plein de choses hein, les gars. C'est un épisode chill mais on va faire plein de choses. Moi j'ai envie d'en profiter, vous voyez, on peut mettre des petites étagères. Alors est-ce que les étagères ce serait peut-être pas mieux finalement en haut? Je sais pas, on verra ça. En haut on va rien faire parce qu'on a pas fini le haut. Là écoutez, on va se faire une... On va se faire une fenêtre là. Tac. La jardinière, je sais pas où elle est par contre, donc on va faire gaffe. C'est un petit peu couillon qu'elle soit juste... Juste là. C'est bon, parfait. Petite fenêtre comme ça. Alors j'ai fait fenêtre de 3, je sais pas si on peut passer à travers, mais je pense pas. Hein.
Je pense pas que les mutants puissent passer. Les bébés, ils pourraient passer. De toute façon, il faudra qu'on se fasse des murs défensifs et tout, hein. Mais ça prend tellement de temps. Déjà, j'aimerais finir la maison, ce serait pas mal. Hop. Histoire qu'on ait une... Oups. Histoire qu'on ait une belle petite vue. Et on va faire vers le haut aussi, là. Si déjà... Hop. Bon, en tout cas, les gars, merci encore pour vos commentaires. J'ai vu des... Bah, vous êtes contents des intros que je fais et je vous en remercie. Il y en a qui disent que vous avez l'impression que je me suis amélioré en montage. Alors bon, pour être très honnête avec vous, merci d'ailleurs à tous ceux qui me découvrent. Mais n'hésitez pas à aller regarder mes autres contenus, hein. Ça fait depuis 2014 que je fais des vidéos. Donc voilà, je fais des best-of avec des gros montages, hein. Ça c'est pas du tout le plus compliqué à faire, Sons of the Forest, hein. Clairement, sachez-le, je fais des gros montages à côté. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si ça vous intéresse, les best-of Twitch notamment. Et puis voilà. Mais ça me fait très plaisir et c'est très flatteur d'avoir des compliments sur mon montage. Sachant qu'il n'y a pas trop de montage. Mais en tout cas voilà, ça fait plaisir. Du coup voilà, le soleil va se coucher tranquillement. Ça tombe bien parce que je suis fatigué, donc il va falloir qu'on dorme. On va se rallumer un petit feu parce que c'est toujours un petit peu cosy. On va pouvoir récupérer des bâtons également. Je vais aussi re-remplir ma gourde. Bon, de toute façon on va peut-être partir à l'aventure par la suite. Mais je vais re-remplir ma gourde parce qu'elle est un petit peu vide. Voyez-vous. Du coup je vais en profiter pour boire. On va la vider si déjà. Hop. D'ailleurs, avec la pelle, on peut faire quelque chose. C'est qu'on peut creuser. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai vu qu'on pouvait creuser. Est-ce que ça fait un vrai trou? Tu m'as fait trop peur, toi. Et toi, tu reviens plus jamais comme ça, hein. Alors, ça sert à rien, visiblement. On peut pas faire de trou, hein. Mais si, ça s'affaisse. Quoi? Attends, mais il y a un vrai trou, là. Eh, les mecs, ça fait un vrai trou. Non. Attends. Parce que là ce qui se passe est phénoménal. Et vous savez qu'en plus ça me demande même pas d'effort visiblement là. Attendez. Moi ça m'étonnerait, hein. Je pense que ça va se reboucher. Quoi? Mais non. Bon alors ça peut prendre 3 jours, hein, ce bordel, hein. Ah, on peut pas aller plus loin, voilà. Oh. What? J'ai trouvé une montre sous terre, d'accord. Donc on peut vraiment... En fait je pense pas qu'on puisse aller sous terre, hein. Mais par contre on peut récupérer des... des objets sous le sable. Et ça me paraît d'ailleurs cohérent, c'est réaliste. C'est bien fait. On va voir si on récupère un truc. Bon, on peut pas faire de la construction du coup, mais ça me rassure. Parce que j'aurais trouvé ça incroyable. J'ai aussi découvert qu'on pouvait ouvrir les bourses en cuir. C'est les grosses brutes. Et en les ouvrant, on a des trucs sympas. Oh, purée de pommes de terre, des myrtilles. Oh là là, c'est chouette ça. Donc voilà. Hop, on va toutes les ouvrir. Je sais pas s'il y a des trucs. Voilà, il y a des huîtres aussi. Encore des huîtres. Et des médocs. Superbe. Superbe. Bon bah voilà, comme ça, ça s'est fait. Ah, je suis content. Je suis très content. Eh bah les amis, on va dormir. Je vais faire ma première nuit dans ma maison. Qui n'a pas encore vraiment de toit. Mais c'est chouette. C'est chouette. Allez, on dort. Et on se fait pas réveiller, ça c'est chouette, j'adore. 6h45 le réveil. Jour numéro 25, messieurs dames. Et c'est vraiment chouette ici, hein. Bon, et vous savez quoi? De toute façon il faut qu'on cherche des bâtons. Donc il faut qu'on marche. Bon, on va manger un petit peu. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Pas besoin de faire chauffer, hein, les gars. Vraiment, hein. Faites-moi confiance. Là j'en profite pour boire de l'eau. Parce que j'ai usé beaucoup de soda énergétique, hein, malheureusement, hein. Donc bah c'est vide. Voilà, c'est vide. Donc on va aller remplir la gourde. Et puis on va en même temps profiter pour remarcher. Et vous savez quoi? Moi je propose même quelque chose. Hop. On va relonger le cours d'eau. Parce que mine de rien. Voilà. Mine de rien. J'adore cette tyrolienne. Mais vous savez quoi? Attendez. Soyons intelligents, soyons malins. Enfin, je pourrais ajouter un raccourci clavier pour le grappin, hein, jeu. D'ailleurs, on a jusqu'à 9 touches de raccourci clavier et ça, c'est légendaire. Hein. On n'a jamais eu autant, hein, sur The Forest. Hein. Ça allait jusqu'à. Jusqu'à je sais plus combien. Alors attendez, je vais essayer de. Est-ce que je peux tirer jusqu'à la maison là-bas? Non, c'est trop loin. Autant en profiter. Voilà. Hop. Et on va aller jusque là-bas. Puisque là-bas, on peut remplir la gourde. Et au moins. Alors je sais pas si on peut aller aussi loin, mais ce serait vraiment chouette. Je sais pas si ça va lâcher si on va trop loin. Je sais pas du tout si ça claque. Ce serait réaliste. Ou peut-être ça va me bloquer, je sais pas. Mais si on peut aller jusque là-bas, c'est incroyable. Ah.
Ah si, là je peux. Je peux encore. Ouais, bah là ça passe à travers les rochers, c'est pas possible. Ah, ça a lâché, ça y est, d'accord. Bon bah voilà. Bah écoutez, c'est pas grave, déjà je vais mettre un... à partir de là. Ce sera déjà pas mal, hein. Jusqu'à ici, là-bas. Regardez. Voilà, déjà ça c'est pas mal. Ça, c'est déjà pas mal. Et ouais, du coup je disais, je finis pas mes phrases, j'en suis absolument désolé. On va relonger l'eau et voir si on peut encore trouver des trucs, parce que mine de rien, il s'en passe des choses. Eh, maintenant on a une pelle. Je rappelle. Oh, pelle, je rappelle. Et les points d'intérêt, alors le point d'intérêt tout droit ou le point d'exclamation, l'un des deux, c'était le mec qui était suspendu, souvenez-vous. Mais on n'a pas tout vu non plus. On a vu le mec suspendu, mais on n'a pas vu l'autre. Enfin, vous avez vu, on est allé checker un des deux trucs. Mais pas les deux trucs, si je dis pas de bêtises. À moins que j'en dise, je ne sais pas. Hop. Donc là, on va prendre la gourde. On va lui mettre un petit raccourci clavier. Donc ça, c'est vraiment chouette. Tu fais hop. Voilà. Ce qui fait que là, hop, j'appuie sur la touche. Et je peux remplir. C'est incroyable. Ce jeu, incroyable. Alors sur le chemin, on récupère des bâtons, n'oublie pas. Ah, c'est vraiment chouette. Je suis ravi, hein. Je suis ravi de ce jeu. Alors voilà, il y a des mises à jour régulières. Cette fameuse mise à jour des raccourcis clavier. Merci de me l'avoir signalé en commentaire, parce que sinon je l'aurais même pas remarqué, pour être très honnête avec vous. Cependant, il y a quand même un petit décalage évidemment entre le moment où je tourne l'épisode et le moment où il y a la mise à jour. C'est-à-dire que si ça se trouve, là vous voyez cette vidéo, il y a eu une mise à jour de malade. Mais je peux pas encore en être informé. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment chouette. Alors l'idée, bien sûr, ça peut être sympa de terminer le jeu avant les grosses prochaines mises à jour, de sorte à ce qu'on y retourne dès qu'il y aura du très très nouveau. Mais en même temps, si on peut profiter un maximum et prendre un maximum de temps et de plaisir, bah on dira pas non, quoi. On dira pas non. Donc on va continuer de suivre le cours d'eau. On va aller voir ce que nous donne le point vert. Est-ce que le point vert, c'est le mec pendu? Parce que en fait, ah oui, aussi, je vous l'ai pas dit, je crois. Tous les points d'intérêt. Là, il y a 2-3 épisodes de cela, quand je me suis bougé les doigts des fesses, là, vous savez. Tous les points d'intérêt que j'allais, il y avait des caddies de golf et tout. Et je disais qu'il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait rien. En fait, c'est parce qu'il faut creuser. Voilà. Tout simplement. Il faut creuser. C'était ça, les intérêts. Donc, on peut retourner dans tous les points d'intérêt, même déjà qu'on a vu et qu'on n'a rien vu, justement. Et il faut creuser et on trouvera quelque chose. Ou pas. En tout cas, je rentends mon GPS faire des bip bip. Donc je suis pas débile. Il y a 6 épisodes de cela, quand je disais que j'entendais des bip bip, et ben en fait c'est réel. Donc attendez, laissez-moi réfléchir. Je vais me faire sauter dessus là. Attendez. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Là, j'aime bien moi, ma petite machette, elle est vraiment mortelle. Donc je sais plus, je suis stressé, je sais plus ce que je voulais dire. Ça m'énerve. Oui, donc je veux dire, si ça fait bip bip. Et là, ça a pas l'air de faire bip bip. Non, mais je suis jamais allé là. Non, c'est pas là qu'il y avait le mec pendu là. Le mec pendu, ça devait être le point d'exclamation au niveau de la grotte là-bas, oui, c'est ça. Ah! Tout à fait, bonjour. Un épisode chill, j'ai dit, hein. Un épisode chill. Qu'avons-nous là? Que dalle. Ah. Heureusement qu'on peut zoomer, parce que là. D'accord. Et ben voilà. Et là, y a rien. Mais j'imagine qu'il faut creuser. Oh putain, quel plaisir. Allez. Attends. Parce que là on vient m'attaquer là. Là on vient m'attaquer, j'aime pas du tout ça. Alors je sais pas combien de temps ça peut prendre. Aïe! C'est bon. Bon, eux ils me font moins chier, les cannibales, parce que, enfin, ils me font moins chier. Je veux dire, ils sont quand même un peu débiles. Par contre, il faut... faut qu'on se mette d'accord là, les gars. Eh, je me chie dessus. En plus, pourquoi mes compagnons ils me suivent pas? Samantha, bon, Samantha elle fait sa vie, hein. Samantha.
Non, elle s'appelle pas Samantha, elle s'appelle Virginie, c'est vrai. Et je l'appelle toujours Samantha, vous savez pourquoi? Parce que Samantha, j'associe ça à une femme qui fait peur. Alors désolé si vous vous appelez Samantha, mais moi je pense à Call of Duty, le mode zombie. Par contre, c'est très bon. Ah! Je me chie dessus, bordel! Encore une tombe. Une tombe. Ah! Pardon, là j'ai vraiment eu peur. Genre là j'ai vraiment eu peur. Putain. Heureusement il y a les raccourcis clavier hein. Là j'ai vraiment eu peur. Allez, fais un effort là, creuse maintenant, c'est bon. Ça m'énerve. Purée. Non, et là il va falloir. En fait je t'explique la vie. Je vais t'expliquer la vie mon grand. Viens voir. Comme ça. Alors, ce qui est bien c'est que. Voilà. Avec cette machette, tu l'enchaînes. Tu l'enchaînes, c'est pesé, c'est remballé. Par contre, je vais prendre un médoc. Je vais prendre un médoc. Parce que sinon. C'est pas vrai. Allez. Eh ben, l'épisode il. C'est presque plus long de creuser que de construire. Alors que je vous assure que construire une maison c'est très très long. Bizarre la tombe quand même. Ok, je peux ouvrir. Oh, c'est pas une tombe. Quoi? Maintenance. Ah. Ah. Superbe. Eh bah ça valait le coup. Ah. On a fini le jeu. On a fini le jeu. Ok. J'avais pas une lampe de poche moi, tu t'entends? Je me chie dessus, voilà, bonsoir. Encore des médocs, superbe. Encore de la bouffe. Allez, je mange, direct. Bonjour monsieur, vous êtes mal en point. Oh, des munitions. Pourquoi il est armé lui? Et là je me chie dessus hein. Attendez, attendez. Bougez pas. L'arc c'est bien, le fusil à pompe c'est mieux. Oh, c'est un aspirateur. Mais non. Ok. Par contre c'est vraiment chouette l'ambiance. Mais là je vois rien donc voilà. Ok. Ok, très bien. Eh, s'il vous plaît, la musique. La musique c'est vraiment superbe. What the fuck. Stop, 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 la musique. S'il te plaît. Oh, y'a imprimante 3D. Oh, y'a trop de trucs. C'est chouette. Stop la musique. Ah bah, la musique s'est arrêtée. Par contre, y'a. Ah non, la musique continue. C'est incroyable. Badge d'entretien. Oh, c'est incroyable. On a trouvé la carte magnétique. Ok, imprimante 3D. On a trouvé la carte magnétique, les mecs. Alors là, je suis en train de manger du riz. J'en profitais. On est. Je sais pas où on est, mais on y est. Hein. Là on a un papier. Voilà, on arrive bien à lire. C'est bien fait hein. Cet après-midi a été découvert ce tableau de Monsieur Puffton du personnel de la collection. Ok. D'accord. Génial. En fait déjà, il n'y a pas de doute, Monsieur Puffton, il était passionné par les indigènes. Ça je vous le dis hein. Ça je vous le dis. C'est pas un hasard. Viseur laser. Non. Alors, sur le pistolet c'est peut-être mieux, mais je crois que. Oh my fucking god. Oh my fucking god, comme disent les Legends. Oh, oh là c'est un rêve. C'est un rêve ce jeu, c'est un rêve. Je rêve. Je sais pas où je dois aller mais c'est incroyable. Bon, la musique ça m'énerve, vraiment. Je vais pas user mes balles mais bon. C'est safe en vrai là. Ah oui, on peut save. Oh mais c'est génial. En fait c'est vraiment un coin de paradis ici là. Configurer les munitions sur munitions de balles. Quoi, je viens de faire quoi là? Je ne sais pas. Je suis pas sûr de tout comprendre. Alors la multiprise c'est mieux de la brancher hein. Y a du sang. Ah merde. Ah. Un bouquin, livre, banderole. Une nouvelle tenue peut-être pour Samantha. Pour Barbara. Pour Virginie. C'est chouette. Ça c'est moins chouette. Bon, mais ça n'a. Oh putain, j'adore comprendre le jeu. En fait, souvenez-vous dans The Forest, Timmy, il avait des transformations. Le fils Timmy.
Et là c'est pareil, tous ces gens c'était des gens normaux qui se sont transformés. Bon, faut pas avoir faire bac plus 5 pour le comprendre, mais le fait de voir cette scène de vie, tu vois, ça prend son sens. Tu sais que là, il était conscient qu'il allait se transformer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré alors soit se suicider, je pense, en se claquant des bouteilles dessus, et il s'est alcoolisé, il s'est drogué, je sais pas. Et il se transformait et il a tout fait pour mourir, pour ne pas devenir un méchant. Voilà, donc il est mort en héros en fait. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Je pense que oui, hein, vous êtes intelligent. Mais comme moi je m'exprime mal. Est-ce qu'on peut faire des nouveaux trucs ici ou pas? Non, hein, c'est toujours pareil. Bon, je peux faire du filet tech en vrai. Vas-y, grave. En plus, il y a déjà de la résine et tout, alors... autant en profiter. C'est vraiment chouette. Et c'est pas fini, hein. Par contre, oui, on a récupéré une carte d'accès, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, tous les endroits qu'on a trouvés... Vas-y, continue. Tous les endroits qu'on a trouvés où il fallait une carte, on va pouvoir y aller. Non. Non. Alors... Vous m'excuserez, mais j'ai pas utilisé mon arme. Hein. Oh non. C'est peut-être pas si safe que ça. Hein. Toi, tu dégages. Oh putain, c'est pas possible. Allez, saute-moi dessus. Allez, sautez-moi dessus. Voilà. Toi aussi. Voilà. Un petit peu embêtant. Bon, moi je peux travailler là ou... Encore. J'ai encore assez. Très belle musique, hein. Je suis pas sûr pour les copyrights. Ce serait le premier épisode qui serait pas monétisé. Ce serait assez terrible. Je suis pas bénévole, hein. Allez. Je peux encore faire. Bon allez, pendant que ça fait, moi j'avance. Qu'avons-nous là? Fort ennuyeux ça. C'est fort ennuyeux. Qu'est-ce qu'il veut lui? Allez. Ça y est, y'a plus de résine. Ah oui, alors par contre tu vas arrêter de faire du bruit. Ça je te dis tout de suite, hein. Hop, on termine ça et on va continuer. Et je crois que si j'ai encore de la batterie dans la lampe, c'est bon. J'ai trouvé la luminosité assez faible. Donc là les amis, direct je sauvegarde parce que je sais pas qu'est-ce qui nous attend les gars. Hop, je sauvegarde et on y va. On se casse de cette musique de mort là. Très belle musique mais quand même. Ah. Ok. On va essayer de passer à côté de rien. Because it just works. Ah bah c'est de la pub pour un... pour une... pour... Ah bah c'était... Il y a plein de visseurs, d'accord, très bien. Très bien. Sans résine d'imprimante. Ok. Ah. Voilà. Vous avez mauvaise mine. Oh mais y'a que dalle, c'est bon. J'ai rien loupé là, hein. J'ai rien loupé, d'accord. Donc c'est bon, c'est vraiment un coin safe, y'avait juste des bébés qui traînaient quoi. Ils se sont fait tuer avec quoi eux? C'est une lame? Ouais, c'est une sorte de lame on dirait. Ok. Bah écoutez, c'est superbe. Et on a récupéré une carte d'accès quand même, hein. Épisode de fou malade, hein. Hop. Je sais pas quelle heure il est par contre et ça c'est chiant. Mais je pense qu'il fait jour, on va ressortir. On va ressortir les amis. Allez, bah oui, il fait totalement jour, très bien, parfait. Ok, bonjour. Ah bah ça valait le coup. Eh. Ah. C'est Kelvin là qui est en train de se faire victime bolos. Eh Kelvin. Kelvin, te laisse pas faire. Oh non. Ah oui d'accord. Eh hey, Kelvin. Kelvin, relève-toi. Faut que tu te relèves à chaque fois. La vie est dure et injuste. Non mais c'est pas vrai. Oh toi je vais t'enculer ta race toi. T'as vu ce que t'as fait à Kelvin? Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Relève-toi. Oh Kelvin. Kelvin. Regarde ce qu'ils t'ont fait. Kelvin! Aïe. Non. Non, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que je rêve. Dites-moi que je rêve, les gars. Kelvin, comment je vais faire? You need a little revival.